T'as fumé, t'as lancé? Oui, j'ai lancé. T'as lancé? C'est quelle langue ton langue? Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tu préfères sur la chaîne de Barracuda. Il faut liker, s'abonner, partager. C'est bon. Ciao, tout le monde à la prochaine. Bonjour à tous et à tous, c'est Barracuda. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Gotenzo. Nous sommes à l'extérieur parce que nous allons faire une vidéo qui n'a rien à voir avec l'extérieur, mais nous voulions tourner à l'extérieur. Voilà, vous avez compris, c'est bon. C'est une bonne intro ou pas? J'aime bien. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tu préfères en compagnie de mon poteau Gotenzo, parce que Gotenzo voulait jouer à tu préfères. Ouais, c'est vrai. C'est et bien ça. On commence directement par la première question qui est: vas-y. Tu préfères être privé d'eau à vie ou devoir faire pipi toutes les 5 minutes? Bon, ce qu'il y a, c'est que d'un côté tu meurs, de l'autre t'es encore en vie. Donc... Moi ça m'arrive déjà toutes les 5 minutes donc. Ouais, c'est vrai que. C'est pas si chiant que ça en vrai. Non, ça va. On va quand même mettre devoir faire pipi toutes les 5 minutes parce, non, parce que l'eau c'est trop bon. On tient la vie quoi. C'est trop bon l'eau. Seconde question, question un petit peu bête. Un tu préfères peu, oui, dormir debout ou courir assis? Mais alors là tu me dis comment tu fais. Dormir debout ça va être bien, gars. Dormir debout. Comme ça t'es au taquet, tu vois. Dès que tu te réveilles, tu vois quoi? Bon, y'a quoi maintenant? On va mettre dormir debout parce que courir assis on sait pas trop comment ça se passe. Alors tu préfères avoir. Ça c'est dégueulasse, ça c'est une question mon gars. On va devoir juger toi-même. Vas-y. Avoir les cheveux gras ou avoir les dents jaunes? Oh, les cheveux gras. Ouais, je crois aussi. C'est dur de les rattraper quand elles sont jaunes, gars. Tu peux pas te laver les dents puis qu'elles reviennent blanches d'un coup, tu vois. Ouais, les cheveux, tu les laves, ils sont plus gras. Donc on va mettre avoir les cheveux gras. Et 70% de personnes pensent comme nous. Tu préfères être perdu en haute montagne sans téléphone ou être perdu en plein océan avec une fusée de détresse? Franchement, montagne, c'est ouais, stylé. Clairement, parce que l'océan, mec, il y a quand même des requins. J'avoue. Bon, montagne, tu me dirais, il y a peut-être des ours. Il y a une pipe qui vient de nous tomber presque sur la gueule. Normal. Tu préfères mordre dans le ventre d'un pigeon ou mordre dans le ventre d'un rat? Ils ont un ventre, les pigeons. Oui, ils ont quand même un truc, quoi. T'as plus un ventre, bah, sous le coup. Je vais te montrer moi ce que c'est un ventre. Mordre dans le ventre d'un pigeon quand même. Ouais. Pigeon. Parce que le rat, pigeon, ça ressemblera peut-être plus à du poulet, le rat. Ça il faut savoir que la maladie, la peste, ça vient des rats à la base. Ouais, bon, les pigeons, je sais pas si ça t'amène, mais. La pigeonnerie, tu deviens un pigeon d'un coup. Tu deviens un con, gars. Alors, 80. Oui, j'ai vu. Le papa, c'est. Le papa qui calme ses gosses. Oui, j'ai vu, fils. 85% de personnes préfèrent mordre dans un pigeon que dans un rat. Trop normaux, gars. Alors, tu préfères avoir une voix dans la tête qui compte les secondes ou ne jamais pouvoir savoir l'heure? Oh, l'heure, moi je m'en fous. Ouais, une fois, je le sais même pas pendant longtemps. Il est quelle heure, gars? Je sais pas. Ah, on a une grosse horloge. On a la plus grosse horloge du monde en face. Il est 2h moins 10. Voilà. 1h moins 10. 2h moins 10. C'est même pas lire l'heure. Voilà, donc avoir ne jamais pouvoir savoir l'heure qu'il est. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui te compte les secondes. Oh. Ah. Et 35% de personnes qui préfèrent quand même avoir un mec qui leur compte dans la tête, hein. C'est toutes les secondes. C'est putain de... Tu préfères devoir monter chez toi au premier étage grâce à une échelle ou devoir monter 12 étages par les escaliers? Attends, redis, j'ai pas écouté. Monter chez toi au premier étage grâce à une échelle ou alors pour prendre les escaliers mettre ta bite au 12e étage? Escalier, comme ça me fait des bêtes de jambes, mec. Oh, pardon. Non, escalier, comme ça me fait des jambes de ouf. Des beaux, un beau petit cul, hein. Ouais. Toi, t'as un beau petit cul. Ouais. L'échelle, c'est marrant aussi. C'est vrai que ça fait plus c'est de. Juste que ouais, remarque, ça fait plus de. Le ouais, matin, mais premier étage, quoi. Le matin, quand tu pars au boulot, on prend des escaliers. Ouh, 26% de personnes préfèrent devoir monter 12 étages en escalier. Voilà. Attends, parce que j'ai une sciatique. Tu préfères ne pouvoir que aboyer? Ouais. Ou devoir marcher à quatre pattes toute ta vie? Aboyer. Aboyer. Bah non, du coup, vas-y. Ouf. Il y a quand même 63% de personnes qui préfèrent marcher toute leur vie. Tu préfères, ça va être compliqué, tu préfères ne plus jamais te couper les cheveux ou ne plus jamais changer de chaussettes? Tu sais, les chaussettes, moi, tu sais qu'une fois, j'ai déjà regardé longtemps, ça puait pas tant que ça. Les cheveux, c'est relou, mec, hein. Moi, j'ai déjà eu les cheveux longs, il y a des moments, mec, quand t'as chiant. Les cheveux, mon gars, qui sont plus longs que ceux de ta meuf. Je vais être dégueu, mec, j'ai mis les chaussettes. Bah, je crois aussi, hein, parce que les cheveux. Non, les cheveux, c'est mec. Chiant, mec. Bon, allez, ne plus jamais changer de chaussettes, on les lave à coup, soir, ça passe. Hein. T'as vu, yes, on est pas comme les autres, 25, yes! Yes, high five! 25%. High five, Julie. Alors, ça tu préfères perdre. Je joue plus. Un truc par semaine, perdre un truc par semaine, ouais. Ou ne jamais avoir de poche ni de sac? Oh putain. Perdre un truc, moi je déteste, mec, parce que ouais, j'ai l'impression, mec, de perdre la tête, gars. Si je perds un truc, mec, je me sens mal, tu sais, je me dis, putain, j'ai un truc qui a déconné en moi, j'ai pas suivi un truc, t'sais. Ah, moi, mais je préfère quand même perdre un truc par semaine que ne pas avoir de poche. Parce que tu sais, les filles, elles ont des pantalons
Tu vois sur les mamans, mec, les mamans elles ont des pantalons, elles ont pas de poche, mec. Comment elles font? Elles se font chier avec un sac, mec. Puis là, tu peux pas avoir de sac. Oh, j'ai du cul sans faire exprès. 39. Putain, 39% quand même. Les autres, ils peuvent même pas avoir de sac. Moi, je suis tout le temps avec un sac, c'est mec. C'est fou, hein, mec. Ado. Enfin, il y a le sac à main. Ah ouais. Coucou ouais. Ah, coucou les filles. Je vais juste voir si ça enregistre encore après les pubs. Yes, ça enregistre plus. C'est vrai? Alors ça, ça fout le seum. J'ai enregistré jusqu'à quand? Non, on a même pas fait de vidéo, mec. Quoi? What the fuck? Oh non! Oh non! Bon, on s'en fout, viens. En fait, ce qui va se passer, désolé, on a un peu rage quit. Enfin, j'ai un peu rage quit. Je croyais que ça n'allait pas enregistré, mais du coup, on fera le montage. Je ferai le montage autrement. J'écrirai moi-même les questions. Mais voilà, ce qu'on a juste remarqué, c'est qu'on a oublié de dire au revoir. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une vidéo peut-être un peu plus organisée. Et à la prochaine! Ciao tout le monde! I might go fuck up these bands. I do this shit cause I can. I just took care of my fam. Thought this was always the plan. I might go fly to Japan.